duymadan bu silah sesleri insanın kalplerine tam derece silah sesleri. Aç oğlum, aç şu beni, yardım et un truc qui m'a empoisonné. Avoue que c'est l'émotion de rentrer chez toi. Non, je crois que c'est le baklava. Je t'avais dit de pas en manger. Suzanne, je dois retourner aux toilettes. Va devant. Mais je t'attends. Non, continue, je te rattraperai, j'en ai pour une minute, ok? Ok? Ok. Frisbee. Chenille.
frisbee. On le lance, on l'attrape, c'est un jouet. Ballon? C'est un sport. Di che è l'oba americana? Baseball. Bir kontrol yapmamız lazım. Lütfen sıraya girin. Erkekler bir sıra, çocuklar ve kadınlar başka bir sıra. Non.
Nom. William Hayes. William Hayes. Hayes. Américain? C'est ça. Oui, américain. États-Unis d'Amérique. Américain. Nom. Encore. William Hayes. Comment? Hayes. H-A-Y-E-S. Gel bakalım fotoğrafçı bey. Şu Amerikalı'nın fotoğrafını güzelce bir çekiver. Hadi yürü yürü yürü. Kalk 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 hazır ol hazır ol. Bana afal afal ne bakıyorsunuz ulan? Hoş geldin Amerikalı tıfıl hoş geldin. Ulan herifle beraber resim çekeceğiz. Esra'yı eline verin şöyle bakalım. Şöyle güzel bir resim çekeceğiz. Öyle beraber. Bak. Çabuk dur çık ulan herif. Ben senin kumandanıyım ulan. Ben senin kumandanıyım ulan. Etrafına, karşı etrafına. Anuklar seyiriyor. Sırıtma ulan. Fotoğrafçıya bak ver. Sırıtma. Sıçmayayım suratına. Tom Bey encore. Çok güzel fotoğraf çıkacak. Ne diyor? Ne bileyim? Nedir be bu? Vay serseri herifler vay. Nereden buldun? Vay sallak herifler vay. Ulan daha biraz evvel bana Amerikalı arama tarama yaptığınızı söylemediniz mi ulan? Ulan şimdi herif botlarının içinde nesler çıkarıyor ulan. Baba baba söyleme oldu. Ulan eski kıması oldu ulan. Vay serseri vay. Hoş geldiniz beyefendi. Aradığımız Amerikalı bu. Ça va, Billy? La santé, ça va? Je crois que ces messieurs en ont terminé pour le moment. Vous pouvez vous rhabiller. Korkuyor musun Billy? L'inspecteur, l'inspecteur veut savoir si vous avez peur, Billy. Non, j'ai pas du tout peur. Korkmaya lüzum yok. Eğer bizim için çalışırsan, yarın tiyare alacaksın, nefiyor gideceksin. Tamam mı? L'inspecteur dit que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si vous collaborez, vous reprendrez votre avion. Oui. Tamam, tamam. Şimdi söyle bakalım. Esrarı nereden buldun? Où avez-vous acheté le hashish? Un chauffeur de taxi au pudding shop dans le bazar. Bir Chef Roden. Chardessar, Bir, Calverdi. Güzel. Eğer görürsen tanıyacak mısın? Vous pourriez l'identifier? Oui, je le crois. Ah, vous avez mal choisi votre jour pour prendre l'avion, Billy. Partout, des terroristes font sauter des avions pour un oui, pour un non. Stupide. Quatre appareils en quatre jours. C'est sans doute que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas beaucoup les journaux. Le public chez nous proteste énergiquement contre l'afflux d'héroïne en provenance de Turquie. Mais moi, c'était pas de l'héroïne. Je suis pas expert. La drogue est une drogue. Pas vrai, Billy? C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas un trafiquant. Il y avait que 2 kilos. Vous savez, par les temps qui courent, peu importe que ce soit 2 kilos, 200. Les Turcs sont ravis d'attraper un étranger pour dire qu'ils luttent contre le commerce de la drogue. Vous êtes du consulat? Quelque chose dans le genre. Cigarette ?
merci. Combien vous avez donné à ce bonhomme, au chauffeur de taxi? $200, tout ce qui me restait. Combien ça devait vous rapporter? Oh, c'était pour vendre aux copains, c'est tout. Je trafique pas avec ça. C'est vrai. C'est mieux que de bosser en usine. Vous avez de la famille aux USA? Oui. Mère, père, frère et sœur, à Babylone, Long Island. Ce sera moche pour eux. Fiancée? Ouais. Elle repartait avec moi. Elle savait rien, elle était pas dans le coup. Elle aurait pas voulu. Elle a eu de la chance. Oui, et elle disait que c'était toujours moi qui avais de la chance. J'espère que c'est vrai, Billy. Sincèrement, j'espère que c'est vrai. Tu sembles un bon garçon, gentil et raisonnable, Billy.
Et si tu déconnes, je te la fais péter ta putain de cervelle. Chers parents, voici la lettre la plus pénible que j'ai jamais eue à écrire. J'espérais pouvoir me tirer de cette vilaine affaire assez vite pour que vous n'en sachiez rien. Maintenant, ce n'est plus possible. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, quand je vous aurai dit « je suis désolé », qu'est-ce que ça changera? Est-ce que ça vous soulagera du chagrin, de la honte que vous devez éprouver? Pardonnez-moi. Je vous en prie. Je voudrais une couverture. Je peux avoir une couverture? J'ai froid. Une couverture? J'ai froid. Trop tard. Vendre demain. Je crois que demain tu seras encore ici. Hein? Et quitte Hélène. Bonne nuit. Je ne parle pas le turc. Ta cellule ouverte, pas de clé. Couverture dans l'autre cellule. Apporte une. J'avais froid, je cherchais une couverture. Et c'est William Hayes. William Hayes. William Hayes. Borasa Sarmal Gilal. Chuck Shever. Et René.
Allez, allez, debout. Allez, mets-toi debout. Jimmy. Ouais. Faut activer tes panards, mon pote, sinon ils vont enfler comme des vessies. Vous êtes complètement cinglés. On est tous cinglés ici. Tire une goulée de hache, ça ira mieux. Ça fait des jours que t'es dans les vapes à baver des conneries. On va te promener dans la cour. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, comme mes pieds. Getschmiss Olsun. Qu'est-ce qu'il dit? Getschmiss Olsun, c'est du turc, ça veut dire que ça passe vite. On dirait un hôtel miteux. Ouais, le service est dégueulasse. Je suis Jimmy Booth. Lui, c'est Eric, je sais pas quoi, un nom suédois. Eric, c'est toi. Il t'a lavé. Merci. Je suis Billy Ice. Je l'étais, du moins. Les Turcs s'en servent comme chien de garde. Ça n'attrape jamais la rage et ça gueule si on les dérange. Les anciens sultans les utilisaient pour garder le harem. Ils sont ces gosses. Les gosses. Les fumiers, oui. Ça chaparde, ça te fait les poches, la peau, ça moucharde, ça viole. Faut pas se fier à eux. Ils racontent tout à Rivki. Rivki, c'est le mouton de service. Il vend du thé transparent. Du hache, des couvertures, des tranquillisants, et tout ce qui rapporte. Pourquoi on t'a emballé? Hache? Oui. Où ça? À l'aéroport, j'allais rentrer chez moi. Tu vas en baver. Tu crois ça? Ouais, tu vas en baver. T'es pas sous la bannière étoilée ici. T'es en Turquie, mon gars. C'est un vache d'accident quand on est innocent. Y a pas d'innocent dans les cabanes turques. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. En Turquie, tout est possible. Si on te chope à faire de la contrebande, alors là, c'est mauvais. Si c'est simplement pour possession de hache, tu pourrais t'en sortir sous caution. Tu parles. Si on te permet de payer, tu es libre, tu te dégotes un passeport bidon et tu te tailles en passant par la Grèce. C'est ça, continue à rêver. Tu finiras dans les nuages, comme Max, qui branle déjà de la cafetière. Tu auras tapé des plâtrés de faillot, Billy, mon pote, avant de retrouver le hamburger de chez nous. Tu as enfreint la loi, mec. Tu t'es fait prendre. La loi turque. A tort, quelquefois. La loi n'a jamais tort, tête de là. Putain de loi, c'est la putain de loi! Quelquefois, il s'énerve quand il y a un nouveau. Pourquoi il est là? Il essayait de voler dans une mosquée. On n'aime pas ça, ici. Qu'est-ce qu'il a volé? Deux chandeliers. C'est tout? Eh oui, c'est tout. Jimmy a plus de couilles que de cervelle. Il a attendu un an et demi avant de dire à ses parents qu'il était là. Pourquoi tu es là, toi? Hache. 9 étrangers sur 10 se font avoir pour le hashish. Qu'est-ce que tu as pris? 12 ans. Quelle quantité tu avais? 100 grammes. Trouve-toi un bon avocat et de l'argent. Renseigne-toi auprès de Max. C'est le plus ancien ici. Il a fait combien? Il a fait 7 ans. Ça calme l'intestin. Ça contient de la codéine, c'est pas la joie, mais il n'y a que ça dans le coin. Max, les avocats. Ouais. Eh bien, en Turquie, il n'y a aucun avocat intègre. Tous des tordus. Pire que des trombones. Dans leur métier, c'est indispensable. La corruption est enseignée dans les facultés. Si jamais t'es soupçonné d'intégrité, t'es radié du barreau.
J'ai connu un avocat, un type bien. Il a réussi à sauver un Français. La Roche. Oh. Un gros trafiquant. Des centaines de kilos. Il avait assez de blé à distribuer. Il a payé. Il est envolé. Psst. Comment il s'appelle? Qui donc? L'avocat. Lequel? Celui qui a fait libérer la Roche. Hein? Oh, Yézil. Negdit Yézil. C'est tout ce que je sais du bonhomme. Yézil. Le mieux, c'est d'essayer de te tailler en douce. Par un moyen ou un autre. Quel moyen? Il y a l'express de minuit. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est un train? C'est une expression qui veut dire... se faire la belle. S'arrête pas ici. Désolé, papa. C'est pas grave. Une bonne fessée, voilà ce qui t'attend. Pour l'instant, il s'agit de te sortir de là. J'ai acheté ce costume pour toi à Istanbul. Que tu fasses bonne figure au tribunal. Ça va, toi? Ça va. Et maman? Maman, pas très bien. Elle n'a pas pu venir. Tu sais, tu es son préféré. Suzanne nous a tout dit avant que ta lettre arrive. Elle va bien. Elle essaie de trouver de l'argent. Elle veut revenir ici. Et... empêche-la de venir, c'est inutile. Oh, comment vont Bob et Peggy? Oh, c'est toujours pareil. On n'a rien dit aux voisins, sauf qu'il a fallu te faire admettre à l'hôpital ici, en Europe. Voici Monsieur Daniels, c'est le consul américain. Bonjour, Billy. Content de vous connaître. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous sortir d'ici le plus vite possible, croyez-moi. Merci, monsieur. Et voici Negdit... Negdit Yézil. Negdit Yézil, l'avocat. Enchanté, Billy. Monsieur Yézil. Je sais exactement ce que vous éprouvez. Ne vous faites aucun souci. Nous allons agir immédiatement devant la juridiction et le juge compétent. Je m'occupe de tout. Voilà, messieurs. Monsieur Yézil, j'ai entendu dire que si on est libéré sous caution, c'est facile ensuite de quitter le pays vers la Grèce. C'est vrai. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Monsieur Daniels et moi, nous avons déjà contacté le département d'État. Mais en ce moment, nos relations avec la Turquie sont mauvaises. Nixon contrarie beaucoup les Turcs. Nos meilleurs atouts sont ici. Je te rembourserai ma dette, papa. Je te le promets. L'argent n'est pas du tout important, Billy. C'est encore trop tôt. Qu'est-ce que tu as au pied? Oh, non, c'est rien, je me suis foulé la cheville. Alors, où es-tu descendu? Hilton. Et comment tu trouves Istanbul?
Intéressante, bien. Mais entre nous, je trouve leur nourriture exécrable. Les saloperies qu'ils servent dans leur gargote, bac. J'ai dû filer aux toilettes, mais tu aurais dû voir ces toilettes. Mais c'est fini, hein, je ne prends plus aucun risque. Je mangerai au Hilton à midi et le soir. Steak et pommes frites et des torrents de ketchup. Billy. Pourquoi tu fais ça? Hein? L'argent. L'argent. Vous, les jeunes, vous fumez de l'herbe. Nous, par contre, on boit. Mais passer la frontière avec ça, c'est stupide, Billy, c'est stupide. Je sais. Papa. Sors-moi de là. Je te le promets, Billy. Tiens-toi à carreau. Laisse-moi travailler avec M. Daniels et M. Yézil, et on te sortira d'ici, d'accord? Billy. D'accord. D'accord. Bütün dünyanın gözü şimdi Türkiye'de. Bize dünya eroin menşei ve tedarikçileri diyorlar. Dünya basınında her gün aleyhte yazılar yazılmakta ve televizyon yayınları yapılmaktadır. Sayın Yargıç, insanlığın bundan sonraki dönemlerinde terk edilip dünya bize manen sırt çevirmeden adımızı temize çıkarmanın zamanı gelmiştir. Hakkımızda yaratılan izlenimleri değiştirmek için kendi esrar kaçakçılarımızı cezalandırdığımız gibi sapıtlıkları ve Allahsızca davranışları ile Türk kültürünü, örf ve adetlerini hiçe sayan tüm yabancılara karşı Türk adaletinin doğruluğunu ve gerektirdiği tedbirleri almalıyız. Öncelikle bu Amerikalı William Hayes'e kaçakçılığından dolayı azami cezayı verip Türk adaletinin doğruluğunu ve esrar kaçakçılığını kökünden kesme azmimizi tüm dünyaya ispat etmeliyiz. Dolayısıyla Yüksek Mahkemenizden William Hayes'in ömür boyu ağır hapse mahkumluğunu temsil ediyorum. Teşekkür ederim Savcı Bey. Mahkemeye yedi kararı yemek için toplantıya çekti. Qu'est-ce que le procureur a dit? Ce n'est pas important, c'est technique. Nous avons exposé l'affaire. Vous étiez vraiment parfait. Vous avez bien parlé. Vous avez gagné le juge. Monsieur Hayes, le juge arrive. Venez. Sanik ezrar bulundur mahsuşu ile sanik govuldu. Raisile makemimiz seni William Hayes dort seneu ek ikiaya makum erek sarbansilar sela ebin kapartior. Deci misolsun. Kabul etmiyorum reis beyefendi. Bu çok önemli bir davet. 4 ans et 2 mois. C'est bon, c'est trop. 4 ans. Nous ferons appel. Vous verrez. Il aura probablement un nom de remise de peine pour bonne conduite. N'oubliez pas que c'est un délit de possession de drogue. Le procureur demande la prison à vie pour contrebande. Ça fait une grande différence, croyez-moi. Non, franchement, M. Hayes, c'est une grande victoire. Avec la remise de peine pour bonne conduite, tu ne feras que... 3 ans environ. Et puis on a fait appel. Et
consul Daniel, c'est... Yezil, il travaille pour toi. Alors, on va essayer de te faire transférer dans une prison américaine. Et Daniel est à peu près sûr qu'il y aura une amnistie dans un mois ou deux. Je sais. Je sais bien, Billy. Ça paraît difficile à première vue. Mais on te sortira d'ici, il n'y a aucun doute. Tu as ma parole. Mais surtout, ne fais pas l'imbécile. Reste tranquille dans ton coin. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Maintenant, voilà. Je vais déposer 500 dollars à la banque. Quels que soient tes besoins, tu m'écris. Tu as des provisions, chocolat, tu as du papier à lettres, des bouquins, des cigarettes, du savon, tu as des brosses à dents. Trente putains d'années que je me tue à placer des assurances et je me retrouve là devant mon fils. C'est injuste. C'est injuste! Je t'aime, papa. Scutalo. Gamin, tu entends où je crève ta putain de carcasse de salopard de Dieu! A laissé la place à 1971. On peut échouer ici sans jamais savoir qu'on est parti. S'effacer si loin de tout et ne plus savoir où l'on se trouve. Où situer les choses et les gens. Je constate que la solitude est une douleur physique qui vous saisit tout entier. Et qu'on ne peut isoler dans une partie de son corps. Tout ici est sous la boula, ce qui veut dire comme si, comme ça. On ne sait jamais ce qui va arriver. Pour les Turcs, tous les étrangers sont haïps, sous prétexte qu'ils sont sales, qu'ils sont haïps.
L'homosexualité aussi est sale. C'est un délit grave ici, mais ça se pratique couramment. Il y a des milliers de choses que l'on considère comme haïpes. Par exemple, on peut donner un coup de couteau au-dessous de la ceinture, mais pas au-dessus, car cela suppose une intention de tuer. Alors les gens se baladent en se poignardant réciproquement les fesses. On appelle ça vengeance turque. Tout ça doit te sembler démentiel, mais cet endroit est vraiment démentiel. L'autre jour, un garçon, un nouveau, a été violé dans les toilettes. Alors ils ont choisi quatre petites fripouilles et... Kurdunmu mu Mehmet? Bir çocuk olmayınca neler oluyor? Il y a Rifki. Plus j'apprends à le connaître et plus je le hais. 10 dollars pour cette crotte de hache. Et un porc. Il n'y a pas de porc en Turquie. Rifki, ce hache, c'est de la crotte. Non, c'est bon. Moi, bonne crotte. T'as une belle crotte, oui. Oui, moi, belle crotte. Oui. Tu n'es qu'un trou fignard. Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? T'as pas fini de nous les casser? Haïp, toi-même! Écoute, toi, tu m'emmerdes pas. Et je t'emmerde pas, d'accord? Mais toi, tu nous emmerdes. Tu n'arrêtes jamais de nous emmerder. Tonté, pourri! Et tu nous entubes sur le hache! Non. Non, pour toi, je fais un thé très spécial, Ice, ok? Vivons ensemble comme des frères. Nous devons marcher main dans la main. Oh, ta gueule, Rifki. Avec tout le fric que tu possèdes, tu es quand même fauché. Ah, tu es américain. Tu sais rien. Je sais rien. Sikimede Sikijetsin. Le loup mange le loup, Ice. Tu baises ton ennemi avant qu'il te baise. Et tu dois baiser le dernier. Viens, mon chat, viens, mon chat. Viens. Brrr, brrr. Hikmet. Quel enculé, ce chat.
William. William, ça va? Le nouvel ambassadeur américain suit votre affaire avec beaucoup d'attention. Il dit que on fait des progrès. Vous voulez une cigarette? Mais il y a une autre solution. Qui est tout à fait possible. Si on dispose d'une certaine somme d'argent, je crois bien que je peux décider quelques fonctionnaires du ministère à égarer votre dossier quelque part. Avant que la haute cour à Ankara ne confirme la sentence qui a été prononcée à Istanbul, vous cesserez d'exister. Et vous serez déjà en Grèce au moment où les tribunaux turcs découvriront une stupide erreur de transmission. Mais je dois prendre des dispositions avant que la haute cour ne donne son verdict. Et pour ça, il faut payer certains fonctionnaires d'avance. Le plan patate. De quoi? Le plan de la prison, les mecs. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un architecte allemand. Il travaillait avec les Turcs, il était sur un de leurs bâtiments. Je lui ai filé du fric et j'ai pu copier les plans. Dommage que tu n'aies pas pu les photocopier. Il n'y a que deux moyens de sortir de cette baraque. La première, c'est de jouer les papillons par le toit. Mais c'est risqué. Un type, deux au maximum. Et l'autre moyen est là, on s'y colle tous ensemble. C'est de passer en dessous. Un tunnel? Enfin, tu veux rigoler ou quoi? Écoute, c'est la prison de Sagamilkar ici, t'es pas au cinéma. C'est là où tu te trompes, face d'Aran. Le tunnel existe. Le sous-bassement comporte un sous-sol. Dans le temps, on y entreposait des armes. Mais juste en dessous, il y a d'anciennes catacombes que les chrétiens avaient construites il y a 1000 ans pour enterrer leurs morts. Et justement, nous sommes dessus. Là. Le Schleu disait qu'il y a une flopée de conduits, de puits, de cheminées obturées qui font comme des mondes plats, tu vois, et qui courent à l'intérieur de ces murs. Et justement, il y en a un là qui passe dans la cloison des douches. Si on entre dans ce puits, on peut descendre jusqu'aux catacombes. En y travaillant à nous trois, ça ne sera pas long. C'est pas loin d'ici, messieurs. Hier soir, j'ai entendu de Maccabée chrétien chanter des cantiques. Écoute, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. C'est vu? Jimmy, dans ton puits, on y entre comment? C'est très simple, il suffit de frapper trois fois et dire on vient pour la levée du corps. C'est moi qui organise la belle. Alors toi et ta saloperie d'ulcère, moi j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin de toi. T'entends? On traverse le mur. On traverse le mur? Oh, oh, oh. On joue au passe-muraille. Schleu avait raison. J'ai vérifié. Il n'y a pas d'armature d'acier dans les cloisons des douches. Elles sont toutes ramollies par les infiltrations. Tu la vois, la flotte? Elle suinte à travers le ciment depuis 20, 30 ans. On pourrait y passer la main. Tout ce qui nous reste à faire. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de prendre le tournevis du tordu, de gratter le mortier, de retirer un ou deux moellons. Après quoi, on se glisse dans le puits, on remet les moellons et on cavale jusqu'en bas. Il y aura deux nuits de boulot, ou trois peut-être. Qu'est-ce qu'on fera une fois dans les catacombes? Les catacombes? Tu voudrais une concierge? C'est exactement comme un réseau d'égouts. Des couloirs, il y en a des kilomètres. Complètement branque, ce connard.
Faut bien que ça débouche quelque part dans Istanbul. Oh, écoute, Coco, tu t'es fait trop souvent poignarder les fesses, ça t'a marqué. Il y aura pas de catacombes, tu finiras la section 13. Billy! Billy! Le toit ou les catacombes? Non, je n'ai pas envie de traverser des murs. Et par le toit, on te tire comme un pigeon. Et Rifki est toujours là. Mais si on prend les catacombes, tu dois être avec moi pour sortir les moellons. Si on est pris, c'est moi qui reste dans la tombe. Je n'ai plus qu'un an et demi à faire. Si ton truc foire, je remets ça pour 3 ans, peut-être plus. Va te faire foutre. Tu n'auras qu'à choisir ta propre mort. Alors j'y vais seul et je t'emmerde. C'est par le toit que je vais me tailler. Al beni sevdiğim canına götürenlerden geri kaldım sevdiğim oyay. Saz bir bahanedir göğsümü döydüm bir gemik bir deri kaldım sevdiğim oyay. Oy 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 zalim. Suzanne, ce pauvre Jimmy a été pris et passé à tabac au point qu'il en a eu une hernie et perdu un testicule. Il est resté des mois à l'hôpital. Par comparaison, mes problèmes semblent insignifiants. Mais 2 ans et demi sont maintenant écoulés, et à leur manière, les Turcs me vident lentement de mes forces vives. Pourquoi tu gardes les cheveux courts, Billy? Pour ne pas oublier. Ne pas oublier quoi? Que je hais cette tôle.
secret. J'ai bien réfléchi. J'ai trouvé un autre moyen. Pourquoi faire? La belle, pardi. Raconte. À l'hôpital, il n'y avait qu'un seul maton dans mon bloc. C'était tout ce qu'il y avait de facile de me tailler en douce. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que le jour où j'ai pu marcher, ces salopards m'ont ramené ici. T'as de la veine? Eh bien, écoute ça, Billy. Un jour, je suis entré dans une autre salle de cet hôpital. Et là, il n'y avait pas de gardien. Il y avait quoi? Trois gars. Ils étaient malades? Et on sait rien. Ils étaient peut-être morts. Morts? Logique. Salut! C'est Monsieur Daniels, le consul! La justice turque a dû se défoncer! Elle va me faire cadeau de mes derniers 53 jours! Hé, hey, Jimmy! Je vais rentrer chez moi! Hé! Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous, Billy. Je vous apporte une bien mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est, papa? Maman? Non. Je crains que vous n'ayez repassé devant les juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Le procureur a récusé le verdict de simple détention de drogue. Il vous a inculpé de contrebande et la haute cour d'Ankara a tout remis en cause. Il semble qu'ils veulent faire un exemple. En fait, ils cherchent surtout un bouc émissaire. Et alors? On nous a notifié que la sentence a été rejetée. La haute cour se composait de 35 juges. 28 ont demandé la prison à vie. Le tribunal d'Istanbul devra se conformer à leur décision. Le juge a de la sympathie pour vous. Beaucoup de sympathie, Billy. J'ai prévenu votre père. Prison à vie. Non, Billy, c'est dingue! Billy! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Dites-moi pourquoi! Non, Billy, non. Pourquoi? Dans 53 jours, je dois rentrer chez moi! Calmez, je n'ai plus! Plus que 53 jours à perdre! Je n'ai plus! Billy! 53 putain de saloperie de con là chez moi! Ainsi, c'est à moi de parler maintenant. Qu'est-ce que je peux dire? Quand j'aurai fini, vous me condamnerez pour le crime que j'ai commis. Alors je vous le demande. Qu'est-ce qu'un crime? Et comment le punir? Le châtiment paraît plus ou moins variable dans le temps ou l'espace. Ce qui est légal aujourd'hui est illégal demain parce que la bonne société dit que c'est ainsi. Et puis... ce qui était illégal hier devient légal parce que c'est passé dans les usages et il n'y aurait pas assez de prisons en Turquie. Je n'ai pas dit que c'était juste ou injuste, mais je dis que c'est comme ça, c'est tout. Mais moi, j'ai passé 3 ans et demi de mon existence dans votre prison. Je crois que j'ai payé mon erreur de jeunesse. Et si vous décidez que je dois payer davantage, alors je... Mon avocat, elle est bien bonne. Il me dit, du calme, Billy, ne vous mettez pas en colère, soyez un bon garçon. Et j'obtiendrai votre grâce, un appel, une amnistie, ou Dieu sait quoi encore. Cette mascarade dure depuis 3 ans et demi.
J'ai parfaitement joué le jeu. J'ai eu une bonne conduite. Et j'en ai marre maintenant de le jouer, ce jeu. Parce que vous m'avez fait croire qu'il ne me restait que 53 jours. Vous les avez accrochés et vous les teniez ! Ce maudit 53 jours devant mon visage. Et ensuite vous les supprimez, vous me les volez. Et vous, j'aurais voulu que vous vous mettiez un instant à ma place, que vous ressentiez ce que je ressens, parce que vous découvririez une vertu dont vous ignorez tout, monsieur le procureur. La clémence. Vous sauriez qu'il est un concept commun à toute société, basé sur la qualité de la clémence, sur la dignité humaine, le sens du mot justice. À quoi ça sert tout ça? Autant croire qu'une mule irait chier dans les toilettes. Pour une nation de porcs, c'est drôle que personne chez vous n'en consomme. Jésus-Christ a pardonné à ses bourreaux. Moi, c'est exclu. Je hais. Je hais les Turcs. Je hais votre nation. Je hais votre peuple. Et je pèse vos fils et vos filles parce que ce sont des porcs. Vous êtes un porc. Tous des porcs. Terjume dimmi, be effendi. Lazim Nazir. Ena rimanka adam bagli. Ena rimanka adam bagli. Mes mains sont liées par Ankara. O tous se deden a sol mamak. Serpille, Sagmagilar, César et Viné Capati, l'Archakskin. William Hayes, je dois vous condamner à être incarcéré à Sagmagilar pendant une durée minimum de 30 ans. 10 000 solsun. 10 000 solsun. Qu'elle passe vite. Got the oldest Istanbul blues. Istanbul blues. They give me 30 years. Ain't got nothing left to lose. Nous allons te sortir de là. Je te le promets. Mais surtout ne fais pas l'imbécile. Reste tranquille dans ton coin. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Said I was busted at the border, babe. Le mieux, c'est d'essayer de se tailler en douce. Par le meilleur moyen. And they give me 30 years to learn the old Istanbul. Je crois que j'ai trouvé. Ça doit être là. Venez. Venez ici. Écoutez. Écoutez, vous entendez rien? J'en étais sûr. Je vous l'avais dit. Vous ne m'avez pas cru, connard. Tu es un petit génie. Chut. Doucement, les gars. Parlez pas trop fort.
voyais comme le mortier est friable. Ça sera un jeu d'enfant de sortir les moellons. Hé, hey, Max, va chercher le dictionnaire de Rifki, mais ne le réveille pas. Vas-y, va. Ah, y a qu'à gratter. Ça tient pas. Oh, j'ai dit ça vient. Tiens, avec ça. Oh oui, ça va aller très vite maintenant. Regarde, 2 minutes et c'est fini. C'est plus facile que je croyais. Du gâteau. C'est du beurre. Ah. Hé, hey Max, Rifki. Rifki, Max. Je me fous de ma hernie. C'est le puits? Oui. Oui, c'est le puits. Oh. Jouer. On n'a pas le temps. Hein? On ira demain. C'est trop tard. Mais non, tout de suite. C'est trop tard, on partira demain. On remet tout en place. Aide-moi. De chemin de fer. Tout est là. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Chose. Tu viens, Matt?
Oui, je suis là. Allez, Max, amène tes fesses. Je viens. Prochaine, c'est Istanbul, mon lapin. Fais gaffe, vous tuez les pieds, attention! Ça va? Continuez, traverse sur la poutre. Formidable. C'est de la vraie! Oh, dégueulasse! C'est un cul-de-sac! Les Turcs ont muré cette sortie. Merde! Il nous reste à foutre maintenant. Quelle heure il est? 4h30. On rentre. Bordel de merde, tu plaisantes? Je plaisante pas. On rentre, on bouche le trou, on revient demain. Et toutes les nuits, jusqu'à ce qu'on sorte, il doit bien y avoir une sortie! Nol do. Sanity crad, Kore Jamie, Solomon Ishmedin. Beat me. Guteru! Salaud! Ordure! No! Tu te marres et pourriture. Cette fois, je vais te défoncer le crâne, je vais te la péter ta gueule! Bien. D'accord. On se bat d'homme à homme, tout de suite. Et après, j'appelle Amidou. Et lui, il défonce ton cul. Yeah. Bien, Max. Bien. Je sais ce que je vais lui faire. Je vais lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre. La gorge à qui? Rivki. Hein? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Il se ferait tellement plaisir. Ma.
Max, assieds-toi, assieds-toi. Tu serais incapable de tuer un moustique. Je lui tranchais la gorge d'une oreille à l'autre. On la lui a déjà tranchée. Hein? Alors je lui couperai les couilles. Tu sais, si tu veux vraiment lui arracher les tripes, son magot. Fauche-le lui et tu le saignes comme un goré. Tu vois d'ici sa face de rat, tout ce qu'il a amassé pendant sa vie, envolé. Si seulement on savait où il le cache. Je sais où il le cache. Max? Où? Quand on s'est caché, on s'est trouvé sans chercher. Ah! Je l'ai vu, moi, l'arpagon turc. Il regarde son argent. La nuit, il lui dit des choses tendres. Où est-il? Max, où il est? Le magot, où il est? Dans sa radio. Dans le fond de la radio. On l'entend jamais. البحر بيضحك ليه وانا نازله الدلع عامله الاولى الحال الحال مش زي بعض والله الحال مش زي بعض اديك شايف بعد الشايب كل شيء مش زي بعض رفقي فقد كل شيء فقد كل شيء فقد روحه فقد كلابه فقد كلابه Cette clope du cœur jour il mendiera son pain dans la rue plus d'amis plus d'argent beaucoup des ennemis Beaucoup des ennemis. C'est ce que je lui souhaite. Et moi aussi. Max. Max. J'ai eu des nouvelles de Jimmy. Ah oui? Et alors? C'est moche. Ils l'ont remis à l'hôpital après lui avoir fait éclater sa hernie. Oh. Les salauds. Il n'a pas voulu parler sans doute. Pauvre beau. Regarde Rifki. Un costume tout neuf. Peut-être qu'il a un nouveau job. Encore ce vilain sang.
Bir şeyler bulduk. Ne bu? Haşiş. Ne bu? Bu şişi nedir buldun? Maksudan. Bu haşişle ne oluyor? Non, non, je lui ai jamais vendu de haşiş. Sıra nefret seni çok iyi biliyorum. Bu haşişle ne oluyor? Haşişi nereden buldun? Rifki, man, il faut pas croire ce qu'il raconte. Ne bacanayım! Mazene kuturu! Rifki est un sale menteur, c'est un sale menteur, non! Haşişi, Max! Rifki est un menteur! Vous en tous.
cigarette, cigarette, yaki ojbo. Cigar, cigar, s'il vous plaît. Cigar, cigar, s'il vous plaît. Cigarette, cigarette. Écoutez. Écoutez-moi. Je vous en prie. Écoutez-moi. Excusez-moi, cher monsieur, je voudrais m'entretenir avec vous. Vous êtes américain? Ah oui, Amérique. Je m'appelle Ahmed. J'ai étudié la philosophie à Harvard pendant plusieurs années, quoique Oxford soit ma patrie spirituelle. J'ai aussi fait des études à Vienne. J'en fais maintenant ici. Enfin, on m'a mis ici. J'ai, paraît-il, violé un enfant. J'ai passé ici un temps incalculable et jamais je n'en partirai. Vous non plus, d'ailleurs, ou plutôt ils disent qu'ils vous laissent croire que vous partirez, mais vous restez. Vous n'en sortirez jamais. Mais voyez-vous, nous sommes tous les produits d'une usine. Quelquefois, l'usine fabrique de mauvaises machines qui fonctionnent mal et on les entrepose ici. Les mauvaises machines ignorent qu'elles sont de mauvaises machines, mais les patrons de l'usine savent. Oui, ils savent que vous êtes une des machines qui ne fonctionne pas. Je crois que j'ai un petit peu trop bavardé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit. Oh, hey. Ah!
Billy. Billy, mon amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh Dieu. Non. Oh. Billy. Oh. Chez toi, tout le monde va bien. Le sénateur Buckley a plaidé personnellement pour toi devant le Sénat. Tout le monde dit que tu es un pion dans le jeu du pavot entre Nixon et les Turcs. Tes lettres affluent de partout. Tout le monde pense à toi. Oui, là. Quoi? Là. Enlève-le. Enlève-le. Oh, Billy. C'est tellement... Enlève-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, Billy. Je t'aime, Suzanne. Oh, Billy. Je t'aime, Suzanne. Billy. Billy, ton père t'envoie cet album. Il y a des photos de ta maman, de ton papa, de Robbie et de Peggy. Et derrière, écoute-moi bien, il y a une photo de ton vieil ami, Monsieur Franklin. Tu te souviens de lui? Le directeur de la banque. Écoute-moi bien, en ce moment, il est en Grèce. Il est parti en croisière. Je vais remettre ça au gardien pour toi. Hein? Oh, Billy. Ne compte que sur toi, Billy. Ne compte sur personne d'autre que sur toi. Tu entends? Suzanne! Suzanne! Billy, tu dois faire l'impossible. Si tu restes ici, tu mourras. Enfin, c'est dingue. Réveille-toi, il faut te ressaisir. Il faut que tu arrives à te sortir d'ici. Oh! Go on! Go on! Wish me Go on!
quoi. Bonjour, cher ami d'Amérique. C'est plutôt mal vu d'aller à contresens. Un bon Turc marche toujours vers la droite. Gauche, c'est communiste, droite, c'est bien. Écoutez, il faut aller dans le bon sens. Vers la droite, c'est le bon sens. Où allez-vous? Pourquoi vous ne rentrez pas dans la ronde avec nous? Qu'avez-vous, cher ami américain? Qu'est-ce qui vous indispose de la sorte? Oh, la mauvaise machine ignore-t-elle toujours qu'elle est une mauvaise machine? Votre incrédulité me nomme. Vous ne croyez toujours pas que vous êtes une mauvaise machine? Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu, mon ami. L'usine, c'est tout. Voilà pourquoi vous êtes ici, vous verrez. Vous comprendrez. Avec le temps, vous saurez tout. Oh, je sais. Je sais déjà tout. Je sais que vous êtes une mauvaise machine. Et c'est pour cela que l'usine vous garde ici. Savez-vous comment je le sais? Hein? Je le sais. Parce que l'usine, c'est moi. Je fabrique les machines. Je pars, tu m'entends? Je suis venu te dire au revoir. Tu sais, je mourrais si je reste ici plus longtemps. Toi aussi. Ne meurs pas, Max. Max, ne meurs pas. Je reviendrai te chercher, Max. Tu as ma parole. Accroche-toi. Accroche-toi, fais-le pour moi. Thank you.
folle. T'es folle, Abtal. Kraken, Getchaim, Lutfen, Gluten. Hamdelei, Konush, Konush, Bukestorium, Konush, Bukestorium, Konush, Bukestorium, Hamdelei, Luftan, Luftan. C'est pas par là. Vous ne me conduisez pas à l'hôpital. Mais c'est par là, l'hôpital, pas par là. Non. Non, je vous en supplie. Non. 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 J'ai rien fait. Ne me punissez pas, je vous en supplie. Ne me punissez pas, non. Je n'ai rien fait. J'ai rien fait, pitié. Thank you.
على أسامي المظلوم. Thank you.